hier, aujourd'hui, hey, aujourd'hui, vous avez Jésus, le chant, je pars, tout se flétrit, si pas Jésus, le chant, je pars. Seigneur nous bénisse richement. Levons-nous, nous allons lire un psaume. Nous lisons dans le livre des psaumes au chapitre 42. Psaume chapitre 42, nous lisons la parole du Seigneur. Psaume chapitre 42. Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit, pendant qu'on me dit sans cesse, « Où est ton Dieu ?» Je me rappelle avec effusion de cœur, quand je marchais entouré de la foule et que je m'avançais à sa tête vers la maison de Dieu, au milieu des cris de joie et des actions de grâce, d'une multitude en fait. Pourquoi t'as battu mon âme? Et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Amen. Oh oui, encore, encore, une fois c'est... Oh oui, encore, une fois c'est... Oh moi j'ai soif, j'ai soif, oui, Dieu. Oh, moi j'ai soif du Dieu. Oh oui, encore, une fois c'est. Oh oui, encore, une fois c'est. Oh moi j'ai soif du Dieu vivant. Oh, j'ai soif du Dieu vivant. Que ton nom soit béni, notre Père, et nous nous souvenons de ce que Samson a crié ce jour-là. Il a dit, Seigneur, encore une fois, mon sauveur, encore une fois, souviens-toi de moi que je tire vengeance de mes ennemis, Seigneur. Oh Dieu, tu as fait pousser sa chevelure, mon roi. Il a pu avoir la puissance et la force, mon roi, pour tirer vengeance de ses ennemis, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous te remercions encore parce que nous l'avons entendu dans ces psaumes. Notre âme a soif du Dieu vivant. Plus profond de nous-mêmes, mon bien-aimé Seigneur et Sauveur, nous avons profondément soif de Dieu vivant, Seigneur. De te voir encore davantage, Père Saint-Dieu, dans notre vie, aussi puissamment encore davantage, mon roi, agissant comme tu le veux, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Prenons contrôle, Père Tubisson, Dieu, de nos pensées, de notre mémoire, notre subconscient, notre imagination, Seigneur Dieu, étant le maître, Père Saint-Dieu, qui contrôle, oh, Père Tubisson, Dieu, toutes choses, parce que tu es la tête, mon roi, nous nous soumettons véritablement à toi, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. C'est pour ça que nous te supplions davantage, Père Saint-Dieu, de demeurer, Père Tubisson, nous voulons rester attachés davantage, et à toi encore, mon sauveur, bien-aimé Père Saint, afin que nous puissions vraiment trouver grâce devant ta face et nous réjouir encore dans ta présence, sauveur. Merci encore de ce que ce soir, il a pu encore à toi, de nous donner encore un jour comme celui-ci, Père Saint-Dieu. Oh, merci parce que la force qui nous tient jusqu'à ces jours, c'est toi. Et c'est par ta grâce que nous pouvons demeurer encore, Père Tubissant, venant et persévérant, Père Saint-Dieu. Parce que si c'était pour l'homme, Seigneur, Père, nous serons découragés depuis longtemps, Père. Mais il a pris à toi de nous fortifier encore, mon sauveur. Merci encore pour les chants et les cantiques. Merci pour le témoignage que nous entendons, bien-aimé, Père Saint-Dieu. Tant venant des enfants, bien-aimé, Père Tubissant, de voir également aussi combien la soif et les désirs dans ta maison à toi brûlent encore dans nos cœurs, mon sauveur. Oh, sois donc exalté pour ce travail que tu fais, Seigneur, dans l'intérieur de chacun, mon roi. Nous sommes de ceux-là qui ont trouvé grâce devant ta face pour aussi persévérer aussi, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, pour nos frères qui font la route et les trajets, mon bien-aimé Père Tubissant, sans regarder au carburant, sans regarder Père Tubissant la distance, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, mais leurs yeux sont fixés sur toi, Seigneur, désirant toujours être dans ta maison pour pouvoir te louer, Seigneur, et soit récompensé, mon bien-aimé Père.
Merci encore pour tous ceux qui sont en connexion et aussi pour tes visitations chaque jour, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Tu n'as jamais manqué, bien-aimé Père Saint-Dieu, à aucun rendez-vous, Seigneur. Mais tu as été là, présent toujours, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Tu nous conduis, tu nous soutiens, tu réjouis encore nos cœurs. Quand nous nous sentons faibles, Père Tibissant, tes cantiques nous relèvent encore davantage, mon roi. Et nous sommes vraiment fortifiés, Père Saint-Dieu. Nous avons ce désir encore de continuer encore la marche, Père, comme nous le chantons, jusqu'au bout, je veux te suivre. C'est à cela que nous, c'est notre cri encore en cette soirée, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Merci pour ce que tu fais, Seigneur. Merci pour notre précieux frère Christian. Merci pour chaque frère et chaque sœur encore en cours ce soir. Nos enfants, nos petits-enfants, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Tous ces précieux frères et sœurs qui désirent tant être droit et juste, Père, pouvoir te servir encore avec un cœur droit et des pensées droites, mon roi. Tu es le Dieu qui nettoie encore davantage. C'est lui qui a besoin d'être sanctifié, Père. Nous t'avons ainsi prié, Père Saint, pour la gloire et au nom de Seigneur Jésus-Christ. Nous t'avons ainsi demandé, Père Saint. Amen. Que notre Dieu soit béni. Vous pouvez vous asseoir. Nous nous réjouissons des bienfaits que le Seigneur, notre Dieu, nous prodigue de plus en plus. Et la richesse, effectivement, de sa parole et de son amour qu'il a répandu à notre endroit. Nous comprenons, effectivement, aujourd'hui encore plus que hier, que vraiment pour être dans cette position-là, il fallait vraiment que les ailes, l'amour du Seigneur puisse davantage brûler au-dedans de chacun d'eux pour qu'ils puissent arriver à pouvoir, comme la Bible dit, ils étaient donc assidus chaque jour, effectivement aussi, dans la maison du Seigneur et dans la communion fraternelle. Si la flamme de Dieu n'est vraiment pas dans le cœur de quelqu'un, ça ne pourra pas être possible de pouvoir soupirer et tendre effectivement à pouvoir voir la joie et le désir profond de pouvoir être là où le nom du Seigneur est invoqué. Vous savez, l'être humain dans sa nature, en tant qu'homme, il se lasse beaucoup. Il s'élasse beaucoup si ce n'est pas quelque chose à laquelle il prend plaisir et qui lui apporte une satisfaction. Je parle satisfaction naturelle, physique, intérieure. Une récompense de quelque chose qui, naturellement, dans son environnement qui les jouit, il s'élasse aussi rapidement. Donc, je pense que, et pour aimer un Dieu comme ces dieux, il faut vraiment profondément qu'il y ait quelque chose effectivement au-dedans qui vous donne de l'intérêt. Que Dieu te bénisse. Il a lu un psaume tout à l'heure. Il dit, mon âme soupire après toi comme une biche soupire après des courants d'eau. C'est quelque chose qui fait vivre en fait la biche, parce que s'il ne boit pas de l'eau, il va mourir. Donc je pense que c'est pas moi quand même. Donc, ah oui, c'est probablement moi. Je ne veux pas que tout le temps que vous soyez dérangé et que ça puisse bouger tout le temps. Mon âme soupire après toi. Merci. Vous me pardonnerez, je vais peut-être essayer de le mettre ici. Ça va mieux, hein? Parce que si tout le temps... Yes, brother, my God, thank you so much. Je crois que maintenant, on est bien. Comme nous l'avons entendu, effectivement. Donc, je transpire trop, si c'est possible de pouvoir. Et alors, comme il est dit, mon âme soupire après toi, ô Dieu, comme une biche soupire après de courants d'eau. Nous avons donc eu à pouvoir comprendre qu'il y a quelque chose de particulier dans différents animaux. Quand on parle d'une biche, effectivement, les chasseurs ont eu à pouvoir remarquer que quand une biche est blessée, elle perd beaucoup de sang. Et lorsqu'elle perd du sang, effectivement, donc elle s'affaiblit, alors la mort s'approche. Mais si à un certain moment, elle arrive à trouver un flaque d'eau, en fait, une flaque d'eau, quelque part, un courant d'eau, de l'eau, effectivement, qui peut arriver à pouvoir désaltérer, effectivement, et qu'elle boive cette eau-là, effectivement, alors elle reprend la vie. Donc,
la biche se rend compte qu'effectivement que l'eau est absolument la chose qui va la faire vivre. Il n'a pas besoin de l'herbe à ce moment-là, il n'a pas besoin de fruits qu'il peut manger parce que c'est aussi... peut-être qu'il peut aussi manger donc des fruits, effectivement, des feuilles de l'arbre, effectivement, pour la vie. Mais là, pour cette survie-là, pour qu'il vive, il faut absolument de l'eau. Donc, elle va courir, il va essayer de pouvoir se battre pour pouvoir trouver quelque part où... Donc, trouver de l'eau, pour lui, c'est vraiment sa survie, en fait. Donc, vous comprenez... Merci, que Dieu te bénisse. Donc, vous comprenez qu'effectivement que ce n'est pas qu'à ce moment-là, on l'oblige qu'il faut que tu boives quand même de l'eau, parce que tu es quand même une bête comme ceci. Non, là, on l'oblige même pas. Il sent qu'au-dedans de lui, c'est vraiment un impératif. Il me faut de l'eau. Il n'a même pas besoin que tu le supplies. Parce qu'il dit, si je ne bois pas cette eau-là, eh bien, je meurs. Ça, c'est le cri qui doit retentir, en fait. Dans le, et je crois comprendre qu'en ce temps-là, s'il y avait cette chose au-dedans d'eux, c'est cela qui les a poussés à pouvoir toujours être dans un lieu où le nom du Seigneur Jésus-Christ était invoqué, où on pouvait chanter les chants pour lui. On ne chantait pas pour fredonner un son. Non, c'est comme les psalmistes, ils disent, mais que ma langue soit comme la plume habile d'un écrivain habile. Non, la plume d'un écrivain qui est habile et qui peut écrire effectivement aussi des mots qui sont tellement aussi touchants, effectivement. C'est-à-dire que là, c'est l'expression du plus profond de son cœur. Vous savez, souvent, nous avons l'habitude de pouvoir effectivement mettre des cantiques, effectivement, et ça c'est une bonne chose. Je pense que dans nos maisons, nous devons avoir cette habitude-là, de pouvoir vraiment mettre des cantiques, ça nous transforme dans cette atmosphère bénie, effectivement. Mais que cela soit que nous participons, pas que la musique fasse du bruit, mais en fait que ça nous aide, nous, à pouvoir... C'est tout à l'heure, par exemple, que Dieu vous bénisse, tout à l'heure, notre sœur Dorine, notre sœur Dorine est passée ici et vous savez qu'elle est anglophone. Je ne sais pas pourquoi elle a été conduite à pouvoir chanter. Et quand elle a commencé à chanter, chaque parole que la sœur Dorine exprimait, quand elle a commencé ça, le nom de Jésus est si doux. Vous savez, je suis intéressé. Vous savez, ces cantiques-là, enfin bon, bref. Alors, j'écoutais chaque parole et j'ai pensé, dit Seigneur, la personne qui exprimait cette parole, il n'a pas cherché à ce que ça soit une mélodie mélodieuse dans les yeux de l'église, mais lui-même, donc mettez-vous à la place de la personne, il dit, il exprime ce qu'il a. Lui, il s'est mis debout, il est tout seul, il dit, mais le nom de Jésus est si doux. Donc, il identifie ce nom dans l'épreuve qu'il vient de pouvoir passer, qu'il a traversé. Et qu'il réalise effectivement, mon frère. Alors j'étais là assis, j'ai dit, Seigneur, un cantique comme ça, même si tu es dans les cercueils, c'est difficile que les cercueils descendent dans la terre, frère. J'ai dit, je comprends maintenant. Quand on dit qu'effectivement, qu'en son nom, même les sépulcres s'ouvriront. Ce nom a une tendresse, a une puissance. Et vous sentez que vous en avez. C'est, je ne sais pas comment expliquer. Il dit, une personne debout, traversant son épreuve, ayant réalisé ce que c'est. Et puis il dit, le Dieu des armes, les coups. Mais il exprime que même quand tu... Ah Seigneur, je ne sais pas. Mais est-ce que vous comprenez quand même? Donc en fait, c'est ces noms-là a une profonde signification pour toi. Je pense qu'avec un cantique comme ça, même quand tu es dans un lit d'hôpital, les infirmières vont voir la personne s'élever et commencent à mettre son manteau. Il dit, mais madame, qu'est-ce qui ne va pas? Il dit, madame, aujourd'hui, je ne sais pas dormir ici. Parce que il y a quelque chose qui est rentré qui a fait que j'avais perdu espoir. Mais rien qu'à entendre que c'est Jésus-là, il a fait, qu'il est fait pour moi. Je préfère sortir à la maison, même s'il faut mourir à la maison. Alléluia! Oui, mon frère. Il y a une détermination qui vient dans quelqu'un, mon frère et ma soeur.
C'est parce que on comprend, on réalise l'importance de pouvoir comprendre ce nom. C'est pour ça que Dieu, notre Seigneur, dans sa parole, il a toujours eu à pouvoir nous montrer effectivement aussi les superlatifs. Regardez par exemple, nous pouvons les lire dans les livres de Malachie. Regardez, chapitre 4 par exemple, il dit, ici, comme, et dit cela, Malachie 4. Vous savez, vous direz que peut-être, bon, il exagère, ce n'est rien, peut-être qu'on exagère, mais je peux vous dire une chose. Ils sont là, mon grand regarde par ici, ils sont là, surtout quand ils viennent dans mon bureau là-bas, vous ne le savez pas, mais ils me trouvent dans un état lamentable. Mais quand ils montent ici, moi je suis là-bas en bas, en train de pouvoir se battre effectivement, et que les cantiques montent, on entend son, vous ne pouvez pas vous imaginer. Rien qu'entendre c'est Jésus dans les cantiques, dans les chants, comment il est adoré, vous sentez que toute la maladie que vous avez, c'est comme si c'est une couverture qui descend. On se dit, mais comment cet homme, tantôt il est comme ça, il n'y a pas de problème. Mais c'est parce que quelque chose l'a appelé. Il dit, mais où veux-tu que je sois, Seigneur, malgré la difficulté. Et puis vous sentez, vous ne l'avez pas expérimenté, mais vous, moi, je sais ce que c'est. Quand vous chantez, vous ne vous rendez pas compte. Ça réveille quelqu'un quelque part. Ça donne la force à quelqu'un quelque part. Quand il entend que ses yeux est tellement, mon mani, mon aîné, ou invite. Tu es assis là-bas, tu te dis, mais c'est les grands conquérants. Ça. Mon frère et ma soeur, beaucoup sont des comédiens. Mais je vous assure, frères et sœurs, que vous le regretterez. Jouez votre comédie, mais vous le payerez. Un jour viendra, ma soeur, tu le payeras. Sûr et certain, tu le payeras. Malachie chapitre 4, verset 1, il dit, regardez bien. Car voici le jour vient. Il est ardent comme une fournaise. Tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume. Ça ne peut pas manquer, puisqu'il l'a dit. Vous pouvez douter, même pas croire, faire toutes vos histoires que vous voulez. Si vous êtes parmi les méchants, vous serez comme ça. Ça, c'est sûr et certain. Ça ne va pas rater. Où est-ce que vous allez? Sur la lune? Il vous enverra descendre. Vous allez vous cacher où c'est? Dans le cimetière? Nous l'avons entendu, hein? Vous pouvez faire. Et d'ailleurs, même quand vous vous complaisez en vous-même, moi je suis dans vous-même, vous allez vous gâcher où d'ailleurs? Je ne vois pas la place où vous pouvez vous gâcher. Est-ce que vous comprenez? Alors il dit, le jour qui vient les embrasera, dit l'Éternel des armées, il ne leur laissera ni racine ni rameau. C'est pitoyable. Hein? C'est vraiment pitoyable. C'est vrai comme vous dites effectivement, mais Dieu vous parle, mais vous écoutez, mais vous avez en fait la solidité dans vos oreilles. Et vous pensez que vous allez passer outre, qu'effectivement, que vous allez avoir une enveloppe de passage au-dessus. Jamais. Jamais, mon frère, jamais, ma soeur. Quand tu vis comme tu vis et que tu fais ce que tu fais, tu passeras par là. Ah ben oui. Ah, vous allez me dire, oh frère, frère et soeur, vous prenez Dieu comme un gamin à vous, que vous disiez que oui, il a une porte ouverte pour nous donner toujours la bonté. Dieu est miséricordieux, mais il y a un temps. Ah oui, hein? Si vous avez trouvé des abonnements pour... on va quand même faire, effectivement, il sera miséricordieux, mais il y a un temps. Hein? Bien sûr, messieurs. Ah oui. Il dit, verset 2, il dit, maintenant écoutez bien, mais pour vous qui craignez mon nom, il s'agit du nom quand même. Donc, on doit connaître, effectivement, ses noms, sa valeur et sa grandeur, effectivement, son importance et aussi la puissance. Vous savez que même dans les scènes d'écriture, on nous dit que les noms de l'Éternel est une tour et les justes s'y et se trouvent en, c'est écrit. Ça, on ne peut même pas supplier quelqu'un. Non. On comprend qu'effectivement que ces noms-là, Dieu le revêt avec beaucoup de respect et beaucoup de considération, effectivement, aussi. Donc nous, en tant qu'enfants de Dieu, effectivement, nous comprenons. Il dit, mais pour vous qui craignez donc, mon nom s'élèvera le soleil de la justice et la guérison sera donc sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme les veaux d'une étable et vous foulerez les méchants quand ils seront comme de la cendre sur la plante de vos pieds au jour que je prépare, dit l'Éternel. Donc, désarmés. Nous réalisons
que c'est vraiment quelque chose de très important, comme nous pouvons le voir, que tous ceux-là ont eu la grâce de pouvoir comprendre. C'est pour ça que la Bible nous dit que c'est lui qui prononce les noms du Seigneur, qu'il s'éloigne donc de l'iniquité, en fait. Alors, l'iniquité, c'est ce que vous savez ne pas devoir faire. Vous le savez que vous ne devez pas le faire, mais que vous le faites quand même, d'une certaine manière ou d'une autre. C'est là où nous rappelle, juste simplement pourquoi nous puissions donc comprendre, pour tous ceux qui pensent que nous avons l'abonnement de Jaja, que Dieu va toujours être le bon Dieu, effectivement, aussi, qui va faire toujours du bien. Je vous poserai un tout petit peu la question. C'est toujours le même Dieu. Est-ce qu'il ne voyait pas quand Hitler coupait en petits morceaux les enfants d'Israël? Je vous pose la question. Il ne voyait pas quand les fous crématoires étaient là qui ont poussé les corps de ses enfants? Oui, bien sûr, la postérité d'Abraham, on le brûlait, on coupait, on ouvrait la tête pour pouvoir voir les cerveaux, comment sont les cerveaux des juifs, ceux qu'ils appellent effectivement, on le voyait. Vous n'avez pas suivi bien les reportages de l'Holocauste, par exemple. Si vous écoutez, hein, c'était pas notre peuple, non, c'était le peuple d'Israël, dont les pères ont invoqué, qu'on a chanté, effectivement, ici. Vous connaissez cela, non? Frères et sœurs, nous ne connaissons pas Dieu. Hein? Ce n'est pas bonbon, frère. Non, ne passez pas comme cela, parce que vous serez surpris. C'est Dieu que nous avons de la Bible ici. Et c'est pour ça qu'on nous dit dans Ésaïe, au chapitre 55, si vous le permettez. Non, nous allons prier, frère, nous n'allons pas rester longtemps aujourd'hui. Je voudrais que nous, parce que demain, on a quand même une longue journée. On va un peu lire et puis on va un peu prier. Ésaïe 55, et verset 6, il nous dit. Cherchez donc l'Éternel pendant qu'il se trouve. Vous y êtes? Amen. Et puis on nous invite en disant, invoquez-le, tandis qu'il est prêt. Pourquoi on nous invite comme ça, avec cette invitation, avec, et puis on nous dit bien, hein, parce qu'il nous dit que, ah oui, il sera, il dit de nous chercher l'Éternel pendant qu'il se trouve. C'est une invitation, mais vraiment avec empressement pour qu'on prenne conscience. Alors c'est une période pendant laquelle on peut les trouver. Si vraiment nous les cherchons, en fait, et si nous les cherchons, merci, de la bonne manière. Oui. Nous les cherchons de la bonne manière. Parce qu'il l'a dit lui-même, si vous me cherchez de tout, tout entier, en fait, c'est-à-dire que j'ai le désir de pouvoir le trouver. Il a dit, si vraiment vous me cherchez de tout votre cœur, et il a continué en disant, ben, je me laisserai trouver. Est-ce que Dieu a-t-il menti un jour? Non. Le peuple de Dieu sait qu'il ne ment jamais. Et quand il dit que je me laisserai trouver, c'est sûr qu'on va le trouver. Amen. Si nous le cherchons vraiment, avec empressement de tout notre cœur. Vous voyez, ces jours de Pentecôte, effectivement, la Bible dit que quand ils entendirent ce que l'apôtre Pierre prononça comme parole, effectivement, la Bible dit qu'ils eurent le cœur vivement. C'est eux-mêmes qui ont crié, « Oh, 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 mon frère, où est-ce qu'on peut les trouver ?» Nous le désirons tant parce que nous avons entendu, nous avons vu, et c'est vrai, notre âme est tellement touchée individuellement. Nous le désirons. Que ferons-nous donc, ô homme frère? Vous l'avez trouvé, nous aussi nous voulons le trouver. Montre-nous aussi où on peut le trouver et de quelle manière nous pouvons le trouver. C'est comme ça que Pierre le ramène. Comment ils peuvent le trouver et de quelle manière. Et c'est comme cela que la Bible conclut donc en disant que ceux qui reçurent donc de bon cœur donc sa parole, alors ils eurent le cœur venant toucher et puis le chemin tout tracé. Alors on dit, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Alors on nous dit, verset 6,
invoquez-le tandis que il est prêt. Si on nous dit qu'il est prêt, il est vraiment prêt. Alors, si il est prêt, ce qui veut dire que je dois être vraiment sincère. C'est-à-dire que les seigneurs ne cherchent que des cœurs qui sont sincères et qui veulent vraiment arriver à pouvoir obtenir quelque chose, mais pas avec un cœur double. Parce que si tu es hypocrite, tu es hypocrite pour toi-même. C'est toi-même qui t'hypocrites toi-même. Et tu prends plaisir dans ton hypocrisie à toi, et tu vis dans ton hypocrisie, tu vis à être double, à être un malin, à être un mauvais, à être un fou, un méchant, tu peux le faire. Comme nous avons toujours eu à pouvoir les dire, vous êtes libre de vivre comme vous voulez. Dieu ne vous oblige absolument à rien. N'oubliez jamais ce que vous entendez, frères et sœurs. J'ai toujours eu à pouvoir les dire depuis le début des réunions. J'ai dit que personne ici ne puisse dire « Je me sens obligé, je me sens que les frères me pressent. » Vous êtes libre. Libre de faire ce que vous voulez, mais chez vous. Et quand vous venez ici dans l'assemblée, c'est la maison de Dieu. Et là, on n'est pas libre de faire ce que nous voulons ici. Comme c'est la maison de Dieu, nous sommes dépendants de Dieu. Il dit, invoquez-le tandis qu'il est prêt. Et puis, il ajoute bien en verset 7. Que le méchant abandonne. Donc, il faut que quelque part, que toi, tu réalises quand même que tu es méchant. Quand tu fais du mal à un frère, tu fais du mal à une sœur, tu dois quand même réaliser que tu es méchant. Si tu ne les vois pas, alors vraiment, tu es vraiment démoniaquement aveuglé par les démons. Et même si les démons t'aveuglent, il y a quand même quelque part, Dieu t'a donné quand même le libre arbitre. Alors si tu ne vois pas encore ce que tu aimes vraiment beaucoup le mal. Si vraiment... un Dieu comme ça t'invite, toi, en te disant que le méchant abandonne sa voie, c'est qu'il t'a donné quand même un moyen par lequel tu peux voir que tu es méchant. Si tu, c'est ce qu'on se bat de ce jour, je suis bien, moi je n'ai pas de problème avec les gens. Non, tu as des problèmes avec les gens. Parce que quand tu passes, après les gens commencent à se plaindre. Rien que ton passage à toi. Vous savez, c'est comme un parfum de mort que tu fais. Rien que ton passage, ça laisse des traces et des marques. Mais dans le mauvais sens. Mais quand toi, tu passes, ton intérieur est vraiment pur, il est vrai. Tu passes, tu laisses la soif aux gens. Je dis, oh, si tu vraiment, toi, s'il y a vraiment, ce frère-là, vraiment, Dieu soit béni. Rien qu'à être, vous savez qu'il ne dérange personne et qu'il est toujours paisible quand il passe. Bonjour ma soeur, bonjour mon frère. Vous sentez que son bonjour est toujours vraiment un bonjour avec beaucoup de respect, beaucoup de considération. Vous savez, non? Mais quand votre fond est toujours avec beaucoup de pensées, arrière-pensées, ceci, vous dites même bonjour à quelqu'un, on sent que c'est chargé de quelque chose de mauvais. Oui, monsieur, c'est sûr et certain, quand votre fond est mauvais. Au reste, que tout ce qui est pur. Quand vous avez ça au-dedans de vous, les gens veulent venir vous dire bonjour. Avec empressement, parce que le fait de vous approcher, on sent que ah, ça apaise. Parce que vous êtes un homme de paix, une femme de paix. Vous donnez la paix aux autres, pas une femme de trouble, un homme de trouble. Ça, on s'éloigne vite. D'ailleurs, la Bible nous le dit, éloignez-vous de ces gens-là. Apprenant toujours et n'arrivant jamais à la connaissance de là. C'est écrit de Pierre, de 2 Timothée, je pensais cela aussi. Alors, on va vite terminer, puis on va partir. Il dit, que le méchant abandonne sa voix. Vous entendez cela? Et l'homme d'iniquité. Donc vous voyez que vos pensées à vous, que vous avez toujours, rien que quand tu regardes déjà quelqu'un, déjà tu commences à pouvoir les déshabiller. C'est ça le grand problème. Que chacun de nous s'examine effectivement
dans ses pensées seulement. Quand tu viens, comment, dans quelle pensée tu te trouves? Quand tu vois un frère, quelle pensée tu te trouves? Quand tu vois une sœur, quelle pensée tu te trouves? Comment tu la regardes? Comment tu penses? Parce que souvent, le grand problème, ce sont nos pensées. L'homme est selon ses pensées. S'il est mauvais, ses pensées sont ainsi aussi. Si surtout ainsi, il se sent qu'il n'y a que lui, surtout, et, surtout quand on parle, surtout parmi les femmes, hein, surtout les jeunes filles, il y en a toujours une qui se sent toujours la plus belle de toutes. Et toutes les autres là, ils sont vraiment plus bas que son niveau. Mais ce qu'elle oublie, c'est que l'autre là aussi, quand elle regarde, elle est plus basse que le niveau. Alors qui, c'est vraiment absurde, hein? Le diable, il est vraiment malin. Il se joue avec les gens. Et toi, tu dis, je suis la plus belle. Et l'autre dit aussi, je suis la plus belle. Donc, tout le monde est la plus belle, quoi. Et l'homme d'iniquité, ses pensées. C'est toujours là, comme nous l'avons entendu. L'objet de vos pensées, toujours. Parce que c'est dans les pensées que le travail se fait. Champ de bataille, vous le savez, non? Vos pensées. La complaisance, le fait de se voir soi-même, c'est toujours dans tes pensées. Tu te vois mieux que les autres dans tes pensées. Quand tu marches, tu crois que tout le monde m'apprécie. Il regarde moi comment je marche, je suis la plus belle. Mais en fait, tout le monde dit, mais mon Dieu, c'est comme un crapaud qui avance. Et toi, tu penses qu'on admire ta démarche, hein, qu'on admire ceci. Mais c'est vrai, hein? Mais vous ne vous rendez pas compte, hein? Vous faites des artifices, dites, mais quand les jeunes vont nous voir, là, ils vont prendre un canard. Ils disent, mais ça, c'est comme un canard. Et toi, tu crois que tu es vraiment comme une gazelle. Mais on te voit comme un bouc ou une chèvre qui avance là. Le diable, il est vraiment malin. Hein? Que Dieu nous aide. Alors, nous continuons vite, puis nous prions. Hein? Il dit, qu'il retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui, à notre Dieu, qui ne se lasse pas. Pardonne-moi. Il est prêt à pouvoir le faire. Que le Seigneur vous bénisse. Lève-nous, nous allons prier ensemble. Tendre Père, précieux Sauveur, nous nous approchons de ton trône de grâce et de miséricorde parce que tu es vraiment le Dieu qui a dit dans ta parole, sanctifie-les par ta vérité et ta parole à toi est la vérité, mon Sauveur. Nous avons soif, comme nous l'avons entendu, bénis mon précieux frère, cet enfant chrétien, comme une biche soupira après le courant d'eau. Ainsi donc, mon âme, à soif du Dieu vivant, mon roi, oh Dieu. Je désire être comme toi, tu le veux, Seigneur, oh Dieu. Comme tu l'as dit, donc vos pensées ne sont pas donc mes pensées. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, tant aussi mes pensées sont élevées au-dessus de vos pensées. Je t'en supplie, mon roi. Viens-nous encore, mon roi, et sanctifie-nous encore profondément, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, que nous soupirons, que nous désirons, et nous courions après donc la sainteté, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, dans notre pensée, dans notre conscience, mon roi, dans notre subconscient, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, dans notre mémoire, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Et quand nous passons auprès de quelqu'un, nous laissons le parfum de Christ, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, la joie, la sainteté, bien-aimé Père du Saint-Dieu. Mon Dieu, mon roi, viens-nous en aide, mon roi, que tu nous aides encore davantage, parce que par les pensées, par les paroles, on peut tuer quelqu'un. C'est vrai, Sauveur béni. Nous ne sommes pas ambassadeurs de la mort, mais nous sommes ambassadeurs de la vie, Seigneur Dieu. Nous voulons communiquer la vie de Christ qui est au-dedans de nos pères et nous voulons vraiment nous accrocher à toi, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Merci pour ce que tu fais pour nos pères. Merci, oh Dieu du ciel, nous avons besoin de cela et à nous laisser tendre davantage, mon roi, à ce que tu travailles au-dedans de nos pères, Saint-Dieu. Nous te remercions pour cela, mon Sauveur. Nous avons vraiment cette soif dans notre cœur, dans notre âme.
Chaque jour, tu nous parles, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, tu nous ramènes, tu nous parles, Père Saint-Dieu, à ce que nous puissions mourir à nous-mêmes. Et c'est vrai, Seigneur Jésus, et vraiment être enseveli davantage, et c'est vrai, mon Père. Ah, nous ne voulons plus revenir à la vie, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, à cette vie-là, mais vraiment continuer à pouvoir avancer, Seigneur. Comme tu l'as dit, mon bien-aimé Père, cherchez donc l'Éternel pendant qu'il se trouve. C'est toi que nous désirons recevoir et nous voulons vraiment rester accrochés à toi. Et Seigneur, que tu places au-dedans de nous ce que toi, qui places effectivement, parce que nous en avons besoin pour que cela puisse nous sanctifier, afin que nous puissions demeurer dans la sainteté encore davantage, parce que tu nous as appelés des saints. Merci. Te remettons tout entre tes mains, Seigneur. La journée de demain, comment elle sera, tu le sais. Nous nous préparons pour venir à ta rencontre dans la sanctification, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, pour prendre part à la Sainte Seine, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, à avoir cette communion avec toi, Père Saint-Dieu, avec mon frère et ma soeur, que je puisse avoir le regard de pur, le regard sincère, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, pour que je puisse prendre part à cela, Saint d'Israël. Aide-nous encore, mon roi. Tu l'as dit, sanctifie-les par ta vérité, mon sauveur. Et ta parole est la vérité. Elle est tranchante, mon bien-aimé Père Saint, comme une épée à deux tranchants. Elle sépare moelle et jointure, mon roi. Merci pour cette soirée. Merci encore pour ta bonté. Merci encore pour ton amour. Merci encore pour cette grâce. Remplis-nous et prépare-nous, Père Dieu. Purifie-nous. Nous te demandons cette grâce. Pour la gloire et au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Pendant que nous sommes là, j'ai eu notre sœur Maria qui me fait part que notre sœur Rosario est à l'hôpital. Tout s'est bien passé, mais nous avons besoin et il a besoin que nous prions pour lui, pour que le Seigneur vraiment le fortifie encore et que nous puissions avoir la joie de pouvoir le voir parmi nous, qu'il puisse chanter son Dieu avec détermination. Priant, levant sa voix par ses dieux, parce que c'est celui qui guérit toutes les maladies. Nous le remercions parce que c'est lui qui est en sa main pour pouvoir faire sortir même les pierres et quoi que ce soit. Il est Dieu et nous le remercions pour cela. Prions pour notre précieux frère Rosario qui a besoin vraiment de nos prières afin que son intérieur puisse réellement aussi lever les yeux vers le Seigneur et les glorifier pour la puissance qu'il a et c'est la grâce de pouvoir également aussi agir dans la vie de tout un chacun. Notre Père, il n'y a point de Dieu semblable à toi. Il n'y a aucune maladie, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, que toi, tu ne peux, que tu ne pourras jamais le faire, Père Saint-Dieu. Nous avons la foi, nous avons la puissance, nous avons l'assurance, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Rien ne peut nous décourager, mon bien-aimé Père Tibissant. Rien ne peut nous mettre à plat, bien-aimé Père Saint-Dieu, Père Tibissant-Dieu. Rien ne peut, Père Tibissant-Dieu, nous affaiblir. Peu importe, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, ce qu'un homme peut dire, peu importe ce qu'un médecin peut déclarer, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Mais dans toutes ces conséquences, ce que l'homme peut dire, Père Tibissant, nous sommes vraiment fortifiés par la foi, mon bien-aimé Père Dieu. Oh Dieu, rien ne peut nous abattre, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Absolument rien, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Parce que tu vis, mon Seigneur Jésus. Parce que tu es des dieux qui a toujours témoigné. Que tu guéris toutes les maladies, bien-aimé Père Saint-Dieu. Nous en sommes témoins, mon bien-aimé Père Tibissant-Dieu. Nous en avons la preuve, mon bien-aimé Père Tibissant. Nous en avons donc la certitude, mon bien-aimé Seigneur. Alors rien ne peut m'abattre, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Rien ne peut me décourager, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Aussi longtemps que tu vis, mon Jésus, mon roi et mon maître béni, Père Saint-Dieu, je te célébrerai, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Alléluia! Tu es roi. Tu guéris, Père, tu domines. Et tu soutiens aussi, Père Saint-Dieu, tu fortifies encore davantage, mon roi. Et nous sommes à toi, nous te remercions. Et... Oh, Jésus, mon roi, la lune et les étoiles peuvent passer, les cieux de la terre peuvent passer, mais la foi dans ta parole ne pourra jamais bouger, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Tu as dit, les cieux et la terre passeront, mais ta parole ne passera jamais. Je préfère mourir avec ta parole, mon roi. Oh, en ayant foi en attendant, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Pas en tremblant, mon bien-aimé Père Tibissant-Dieu. Pas en hésitant, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Parce que tu es vraiment notre Dieu. Merci parce que tu as toujours guéri et tu guéris. Merci d'avoir guéri notre frère. Merci aussi,
Seigneur Jésus, et tous nos frères et sœurs qui sont affaiblis par quoi que ce soit, comme maladie ou quoi que ce soit, Père Saint-Dieu, nous te remercions parce que tu es le Dieu qui nous restaure, mon bien-aimé Père, tu es Saint-Dieu. Je pense aussi à notre frère Michel de Loudun, Père Saint-Dieu. À notre soeur Marie-Thérèse là-bas à Loudun aussi, bien-aimé Père au Dieu. Je te demande grâce pour eux, mon bien-aimé Père au Dieu. Oh Dieu, que rien ne puisse les affaiblir, mon bien-aimé Père, tu es Saint-Dieu. Mais qu'ils soient fortifiés par la foi, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Ne sois pas découragé, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Tu as toujours dit, fortifie-toi et prends courage, mon roi. Nous te sommes reconnaissants pour cela, mon bien-aimé Père au Dieu. Oh, merci pour notre frère Amador aussi là-bas, Père Saint-Avignon, qui soit fortifié aussi, rétabli aussi, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Lui et sa famille, bien-aimé Père au Dieu. Tu es le Dieu qui agit encore davantage, mon roi. Et nous sommes heureux, Père Dieu, pour nos frères et sœurs qui ont été ici, Père Saint-Dieu, et qui ont été affaiblis par quoi que ce soit, mais qui soient en bonne santé, aussi forts pour être là demain, pour pouvoir te servir encore davantage, mon roi, et dans ta maison à toi, oh Dieu, pour terminer cette année avec toi, pour commencer cette année avec toi aussi, bien-aimé Père Saint-Dieu. Nous viendrons dans les bancs comme le même jour, Père Saint-Dieu, et n'importe quelle condition, bien-aimé Père, nous serons là pour pouvoir te servir parce que tu es réellement notre Dieu, et avec toi, nous faisons des exploits. Mon sauveur, sois béni, sois glorifié et sois exalté. Merci pour tout, Père. À toi l'honneur, la gloire et la puissance et la victoire. C'est dans le nom du Seigneur et sauveur Jésus-Christ que nous aimons tant et que nous respectons et que nous craignons et que nous t'avons ainsi prié avec respect et croyant que tu l'as fait. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Mon grand bien. Ô toi qui donnes la vie, à tes pieds je veux m'asseoir, comme ça c'est Marie, à l'heure douce du soir, oui, comme ça c'est Marie. Thank you.